Bonsoir mesdames et messieurs, et bienvenue sur notre chaîne d'actualité Info d'Afrique. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être toujours informé quand nous postons de nouvelles vidéos et surtout commenter afin de nous encourager à travailler pour vous. Merci à ceux qui l'ont fait et bon visionnage. Si nous avons chassé le maître d'Alassane Ouattara qui est la France au Burkina Faso, c'est pas Alassane Ouattara qui peut nous faire quoi que ce soit. Lui-même, il sait que Burkinabé, là, nous sommes des vrais garçons. Sans l'aide du Burkina Faso, Alassane Ouattara ne serait jamais président en Côte d'Ivoire. Et c'est nous aussi, on va le déposer. Pourquoi je m'exprime ainsi? Il y a plus de 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et la plupart sont des soutiens de Ouattara. Et la plupart ont leur famille au Burkina Faso ici. Donc nous avons appelé nos frères qui sont en Côte d'Ivoire à partir de maintenant. Ne supportez plus ce moral-là. C'est le moment de venir brûler son village. En Côte d'Ivoire là-bas. Donc les Ivoiriens, c'est ce que j'ai toujours dit sur ce plateau, mais j'ai l'impression que beaucoup ne m'ont pas encore compris. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est maintenant, il faut aller vers les Burkinabés, les sensibiliser. Voilà que Alassane Ouattara veut utiliser Côte d'Ivoire comme base arrière pour aller détruire son propre pays natal. Les Burkinabés vont le laisser tomber. Il n'a plus de supporters en Côte d'Ivoire. Et c'est l'occasion de l'achever. Voilà, je pense que c'est la même chose. Alassane souffre en plateau dehors. Pour le peuple ivoirien, pour le cueillir en même temps facilement. Ça, c'est une occasion à ne pas rater. Donc, pour dire que les réunions à l'Élysée hier, nous savons qu'il n'y a rien de bon qui va sortir là-bas. Ce n'est pas des plans macabres, machiavéliques, comme ce qu'ils ont fait avec le Mali, jusqu'à envoyer des mercenaires, ça a échoué. Mais nous sommes prêts, nous les attendons. On a 90 000 VDP prêts à aller au combat, qui sont en train d'aider l'armée à libérer le pays. Et il y a d'autres en attente. Même on est tous enrôlés, on attend que le jour qu'on va nous appeler, on va tous aller au front. On est tous enrôlés en VDP. Donc ici, nous sommes 22 millions d'habitants et tous les 22 millions sont des combattants. Il n'y a pas un qui est petit, nous sommes des guerriers. Vous vous rappelez le jour du 1er octobre 2022, le jour que Damiba devrait quitter le pouvoir, le peuple burkinabé a pris d'assaut l'ambassade de France et même aller attaquer le camp militaire de Cambouessin. Ils sont armés jusqu'aux dents, ils ont hélico, ils ont tout, mais le peuple allait attaquer le camp militaire français de Cambouessin à main nue. Donc si on dit si tu as mangé la tête, ce n'est pas les yeux qui vont te faire peur. Si le peuple a affronté les militaires français, armés jusqu'aux dents, allez même dire sortez de votre camp militaire, on va vous déguerpir. C'est quelle réunion Alassane Ouattara va aller faire, ça va nous faire peur. Ça fait 7 ans les terroristes nous tuent matin, midi, soir. Donc la mort même ne nous dit plus rien aujourd'hui à l'heure où nous sommes. On n'a plus peur de la mort. Nous sommes plus que sereins, nous sommes plus que déterminés. On n'a plus peur de la mort. Ça fait 7 ans que nous mourons tous les jours. Donc, de 2015 à aujourd'hui, il y a plus de 4000 Burkinabés qui sont tués par les terroristes. Il y a plus de des milliers de morts, c'est des milliers de morts. Donc, s'il y a eu des milliers de morts, aujourd'hui, nous avons peur de quoi? Ivoirien du Cabri, moi, on n'a pas peur de couteau. Raison pour laquelle nous organisons une grande mobilisation. Le 28, après-demain, le 28, pour sortir du merde à la France, merde à ses valets locaux, merde à tout ce qui est impérialiste et ses valets locaux. Merde à toute la, tout ce qui est bandit à col blanc là. On leur dit merde, vous nous faites chier, allez-y vous faire foutre. Nous sommes décidés à prendre notre indépendance, coûte que coûte, vaille que vaille. La patrie ou la mort nous vaincrons. Nous sommes déterminés, rien ne peut nous reculer. De la même manière que l'armée d'occupation française paradait pour traverser le Burkina pour aller au Niger, pour aller au Mali, nous les avons bloqués ici en novembre 2021, de Bobo jusqu'à Ouaga, jusqu'à Kaya, où notre jeune frère Ali Nusavadogo a fait tomber drone français par un lancier. Nous rappelons aux mêmes Français et aux mêmes Ivoiriens, et bon, pas tous les Ivoiriens, Alassane Ouattara et son et sa clique et sa claque, que nous sommes prêts, plus que prêts. Terroristes nous tuent, et aussi qui sont des dirigeants qui devaient travailler pour mettre fin à ces terroristes-là, contribue encore avec le parrain des terroristes pour venir nous tuer, nous sommes plus que déterminés. Et tous ceux qui vont tenter tout plan machiavélique contre le Burkina Faso retournera contre ses comploteurs au nom du Créateur vivant. Tout plan qui va se comploter contre nous là, c'est voué à l'échec. Rien ne va réussir. Nous sommes déterminés, nous sommes prêts. C'est ça que je suis en train de dire. Nous sommes déterminés et tout ce qui va se faire comme réunion là-bas, que ce soit bon, que ce soit mauvais, c'est que nous, on sait, nous, personne ne peut nous détourner de l'objectif.
Le peuple burkinabé est déterminé. Nous demandons au peuple africain de se lever partout dans le monde entier. Nous allons faire corps. C'est le moment de ne pas s'asseoir, regarder le Burkina se battre tout seul. C'est pour cela que nous, on a vu le Mali rentrer dans le combat. Nous avons compris que si nous ne nous levons pas, le Mali seul ne pourra pas. Raison pour laquelle le Burkina est rentré dans la danse. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Au Burkina, aujourd'hui, Burkina a rejoint. Donc, c'est le moment pour les Ivoiriens de déclencher leur mouvement. C'est le moment aussi pour le Niger de déclencher un mouvement. Donc, au passage, je demande à Bazoum, le despote France-Afrique du Niger, de libérer notre camarade du président du M62 qui l'a emprisonné, de le libérer. Parce que nous ne pouvons plus accepter qu'au XXIe siècle et en 2023, je surcrois, un valet local se permet d'emprisonner les jeunes qui décident de prendre leur indépendance. Nous n'accepterons pas cela. Donc, c'est pour dire à Alassane Ouattara et à son valet et locaux et à son parrain, l'impérialiste Macron, le petit-fils de Brigitte Macron, que nous, on n'a pas peur d'eux. Si nous, on a mangé la source, personne ne peut nous faire peur. Nous, la jeunesse burkinabé, on est trop prêts, on est déterminés, et rien ne peut nous effrayer. Même bombe nucléaire ne peut pas nous effrayer. Ça fait des années que le terrorisme nous tue. Il n'y a pas de façon de mourir. Nous sommes déterminés. Nous allons aller jusqu'au... Rien ne peut nous arrêter. Nous sommes déterminés. Si Blaise Compaoré a été déboulonné, Roch, un des valets locaux de la France-Afrique, est venu, il est parti. Damiba, que la France a fabriqué, est venu faire coup d'État pour l'imposer par les armes. Il n'a pas pu tenir. Je ne vois pas quoi Alassane va tenter aujourd'hui, ça va marcher. Tu ne veux pas. Parce que le Burkina Faso, aujourd'hui, toute la jeunesse est révolutionnaire. C'est des serpents à deux têtes. Ce n'est pas Traoré seulement. Hein. Ce n'est pas le capitaine Traoré seulement. Moi-même, je suis révolutionnaire. Il y a plein de mes camarades avec moi, ainsi que dans l'armée, qui sont pleins, c'est des révolutionnaires. Donc, Alassane Ouattara, c'est fatigué. Le mieux pour toi, le vieil Nyamakoudji, Gazfa Dieudonné, prends ta retraite, va rester à Mougin, qui est ton village, parce que tu n'es plus Ivoirien, tu n'es plus Burkinabé, tu n'es même plus Africain. Prends ta retraite, va rester à Mougin là-bas et termine tes vieux jours là-bas. C'est mieux pour toi. Sinon, si tu essaies quelque chose comme le Burkina l'air là, c'est couteau à double tranchant. Nous, on va rester ici. Nos parents qui sont là-bas, là, il y a plein de Burkinabés là-bas. Les veuves, vous ajoutez aux Ivoiriens là, vous le renversez par une insurrection. C'est tout, c'est la solution. Le peuple doit s'exprimer. C'est comme ça. On est fatigué de ces vieux despotes qui n'ont plus d'avenir et qui veulent brimer l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Toi, tu es venu en Côte d'Ivoire trouver la Côte d'Ivoire était en paix. Tu es né au Burkina Faso. Le Burkina a payé tes études jusqu'à ce que tu aies bourse pour aller étudier. Le Burkina était en paix. Si tes parents, les grands-parents avaient détruit ce pays-là, toi, tu allais avoir quel avenir dans ce pays-là. Donc, tu as intérêt à travailler pour léguer un bon héritage à cette génération future. Mais au contraire, toi, tu veux détruire avant de partir. Donc, toi, tu es le Satan. Donc, nos parents, frères, Mossi, Baoulé, Lobby, qui sont en Côte d'Ivoire, tout le monde, réunissez-vous et réglez le compte de ce despote parce qu'il n'est pas africain. C'est ce que je demande au peuple africain qui vit en Côte d'Ivoire. C'est maintenant, c'est un combat africain. C'est pas un combat de clans. C'est pas un combat de régionalistes. C'est pas un combat d'ethnicistes. C'est un combat de libération du continent. Donc, tout le monde doit rentrer dans la danse. Le peuple nigérien doit s'élever. Le peuple ivoirien va s'élever et tous les valets locaux de la France-Afrique doivent être balayés et que l'Afrique revienne aux Africains. Je vous remercie. Afrique Média, le monde, c'est nous.